c'est Zamzam, bienvenue dans cette leçon pour apprendre de nouveaux rythmes à jouer avec ta guitare autour du feu ou pour emballer ta miss, ton gars ou peu importe quoi d'autre. Je vais te proposer cette fois-ci d'apprendre un des grands classiques du rock. C'est ce rythme que je t'ai joué en introduction. Pour ce faire, on va directement s'atteler sans trop de blabla à le décomposer sur notre mesure, donc notre mesure qui compte 4 temps ou 8 demi-temps. Si tu as suivi la leçon précédente, c'est vrai que tu dois être calé sur ce domaine. Si tu ne l'as pas fait, je te conseille de les suivre. Tu vas vraiment avoir une progression logique dans l'apprentissage du rythme à la guitare. Pas trop de blabla, le rythme s'affiche ici et on va le faire tout doucement, comme d'hab sur un accord de mi, un accord que tu dois savoir par cœur. Donc, si on le fait vraiment tout doucement, on va taper sur le 1, sur le 2 et 4 et. Comme ça, j'ai l'air vraiment d'un attardé mental, mais c'est pas grave, j'assume. Donc, on va y aller tout doucement sur un accord de mi. 1, 2, 3, 4, 1, 2 et 4 et 1. Tu m'as suivi, j'espère. On va le prendre vraiment tout doucement. On va faire nos deux mesures de mi, deux mesures de la, deux mesures de mi, en y allant tout piano. Et puis après, on essayera d'augmenter petit à petit le rythme. On va le faire ensemble. Donc, on y va d'abord tout doucement. 3, 4 et 1, 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1, 2 et 3 et 4 et 1. Et 4 et 1, 2 et 3 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 et 4 et 1. Une toute petite chose pour pimenter un peu l'affaire, dans le changement d'accord sur le E du 4 et celui-là, au moment de changer, tu peux relâcher complètement les cordes et faire une fois à vide en remontant. Je le fais une fois juste pour te montrer, tu t'entraîneras à la maison. Donc, 1. C'est fait en exagérant, bien sûr, tu l'as remarqué, mais quand tu le joues à la vitesse normale, ça donne toujours assez sympa, genre... Et encore un petit plus, un petit si sucre pour l'accord de La. Si tu veux faire un accord de A avec une suspendue, ça s'appelle. Un mot bien compliqué pour donner ce son un petit peu. Tu peux le faire avec ton annulaire sur la cinquième corde, pardon, à la deuxième frette, ton accord de La normal. Et tu lèves simplement ton annulaire. Et donc si tu fais ça au milieu de ta petite grille de 8 mesures, donc ça fait... Ça fait sur le E qui suit le 2. Donc voilà, c'est un petit riff, un petit rythme vraiment très très utilisé en rock. Si tu prêtes une oreille attentive, tu remarqueras qu'il y est quasi partout. Voilà, la prochaine leçon, c'est un rythme à 2 mesures, toujours en 8 demi-temps. Et bon courage sur mes vidéos Zamzam, j'espère que tu prends du plaisir à apprendre la rythmique. Tu vas vraiment bientôt devenir une rockstar. Allez, on se voit bientôt sur mes prochaines vidéos. Ciao. Tu trouveras tout plein d'infos sur mon site zamzamguitare.blogspot.ch. Des infos comme des partitions, des plans de cours et surtout les leçons on peut classer par ordre de progression. Si tu veux me faire plaisir, tu peux cliquer de temps à autre sur les petits liens qui se trouvent sur les sites, les liens publicitaires. Je sais, c'est pas très sympa, mais je préfère que Google paye à ta place pour... voir mes vidéos et pour que je puisse aussi trouver un petit peu mon kiff en le faisant. Bref, j'espère te voir bientôt sur ma chaîne et je te souhaite toute bonne progression à la guitare. Allez, keep rocking. Tchuss.